Je vous avais indiqué dans une précédente vidéo que certains clubs avaient comme coutume d'associer un surnom à leur dénomination. J'en avais fait une vidéo, un premier volet, que je continuerai certainement et exclusivement sur les clubs, que je vous invite d'ailleurs à découvrir ici si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais revenir sur cette coutume, mais auprès de 5 nations, 5 équipes nationales, qui ont également, pour certaines raisons symboliques, associé un surnom à leur équipe. Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme pour celle des clubs, ce ne sera pas une vidéo exhaustive, mais certainement la première partie d'une série pour laquelle j'ai déjà sélectionné 5 équipes nationales. Allez, découvrons cela ensemble, mais avant, pensez à vous abonner et à suivre toutes les previews sur mon Instagram où vous pouvez découvrir en avance les vidéos qui seront publiées le week-end suivant. Alors pour la première équipe nationale, je voulais revenir sur les Lions Indomptables. Cette histoire est assez complexe. Elle prend racine en 1972 alors que le Cameroun organise sa première CAN, sa première Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont favoris et à la grande surprise du public, ils se font éliminer en demi-finale par le Congo. Le Congo qui remporte la compétition quelques jours plus tard. C'est une réelle performance pour les Camerounais qui avaient battu et largement battu le Congo quelques mois auparavant. Une commission est alors mise en place par le président du Cameroun pour analyser les raisons de cette défaite et cette commission indique que dorénavant, l'équipe nationale portera le nom des Lions Indomptables pour laver l'affront infligé lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce surnom ne vient pas de l'imagination de certains membres de cette commission. Son origine est liée à une légende africaine de 1902 que je vais vous résumer ici. Alors pour bien comprendre, il faut que je contextualise un peu et que je revienne un peu sur l'histoire, mais simplement pour vous dire que jusqu'en 1914, le Cameroun était une colonie allemande. Bref, un jeune homme du nom de Maniben Tombi devient chef d'un village après la mort de son père et constitue une armée au pouvoir mystique capable de résister à l'envahisseur allemand. Un capitaine allemand emploie alors une ruse et capture Tombi. Au moment où ce dernier est envoyé en prison, il regarde sa femme et lui dit de ne pas fermer la porte de chez eux car il reviendra. Tombi rugit dans sa cage et refuse de s'alimenter en réclamant une tête humaine comme repas. Le capitaine allemand décide de transférer ce prisonnier dangereux en Allemagne. Mais apercevant à peine la mer, Tombi s'enfuit et se transforme en lion noir pour échapper au feu des fusils allemands. Il revient alors dans son village, mais malheureusement, sa femme avait fermé, barricadé sa porte par peur des envahisseurs. Tombi, n'ayant pas d'autre choix et n'arrivant pas à rentrer, se réfugie dans la forêt. Voilà, c'est s'inspirant de cette légende que la commission, après la Coupe d'Afrique des Nations 1972, et voulant un nom qui inspire peur et respect, eh bien choisissent le surnom de Lion Indomptable pour faire écho à la loyauté, à la férocité, la résistance et l'indomptabilité du roi des animaux. Alors il faut savoir que parmi les noms proposés, il y avait aussi Scorpion, mais il n'a pas été retenu. Allez, en second et même en troisième, la Roja. Car effectivement, il y en a deux. Et nous allons parler des deux qui se disputent d'ailleurs en coulisses ce surnom. Le Chili d'abord. Et jusqu'en 1940, le Chili n'avait pas de couleur de maillot établie. À partir de janvier 1942, à l'occasion du derby sud-américain contre l'Uruguay, les joueurs chiliens revêtent définitivement le maillot rouge. Comment ça, vous ne voyez pas bien? Faites un effort. La sélection adopte alors le surnom de Roja par tradition. En effet, en Amérique latine, la sélection est souvent dénommée par la couleur de son maillot. On peut retrouver la verde pour la Bolivie ou la céleste pour l'Uruguay, par exemple. Depuis 1998, le surnom a légèrement évolué puisque les spectateurs et les journalistes affublent la sélection nationale du surnom de Marea Roja, la marée rouge. Et curieusement, en Amérique latine toujours, eh bien l'Espagne est connue depuis longtemps comme étant la Furia Roja, et bien avant que ce surnom ne soit démocratisé en Europe et en Espagne. C'est lors des JO de 1920 à Anvers
que la sélection espagnole gagne pour la première fois ce surnom grâce ou à cause, hein, c'est selon, un jeu particulièrement rugueux lors de la compétition. Lors de la Coupe du Monde 1934, ce surnom revient parce que les matchs de la sélection ibérique sont jugés très physiques et en quart de finale contre l'Italie, un journaliste italien parle de Furia Rora pour désigner le style de jeu de l'Espagne. C'est après la guerre civile de 1939 que la couleur initiale bleue de l'Espagne cède la place au rouge. Et en pleine dictature franquiste, quelques années plus tard, elle rappelle l'idéologie communiste. Mais l'équipe ne s'appellera pas encore Rora en Europe, ni même en Espagne. C'est une dizaine d'années plus tard que le surnom Furia Rora fut définitivement adopté. Puis plus tard, en 2004, Aragonès démocratise ce surnom en le remodelant un petit peu. Voulant donner à la sélection un nom et une identité à une équipe en manque de réussite, il imprime dans le marbre ce surnom en enlevant Furia. Le sélectionneur espagnol fixe le jeu de passe et cherche à imiter le style de jeu du FC Barcelone en chassant les vieux démons d'équipes rugueuses. N'en déplaise au Chili, la Furia Rora devient la Rora, comme l'équipe d'Amérique latine. Eh oui, la Belgique dispose déjà depuis quelques années d'une très bonne et très solide équipe, mais ce n'a pas toujours été le cas. Cependant, en 1906, elle fait terriblement peur. Elle terrasse alors la France 5-0 à Saint-Cloud, puis les Pays-Bas sur le même score à Anvers. Les Belges évoluent alors en rouge et la presse locale est euphorique. Un journaliste sportif qualifie alors les joueurs de Diable Rouge. Pour ce journaliste, il s'agissait de faire référence au pilote Camille Genazzi, qui était un célèbre pilote belge connu notamment pour sa barbe rousse, mais aussi pour avoir été le premier pilote à avoir franchi la barre des 100 km/h. Finalement, cette qualification, ce surnom, sera repris et deviendra officiel quelques années plus tard, en 1911, et après une victoire de la Belgique 7-1 contre la France. Encore une équipe africaine, vous me direz. Encore une équipe africaine ? Voilà, qu'est-ce que je disais ? Oui, mais ils ont quasi tous des surnoms et on peut réellement se faire plaisir. La teranga est un mot wolof qui désigne hospitalité. Les Sénégalais sont reconnus pour leur hospitalité, non seulement envers leurs semblables, mais aussi envers les étrangers. Et malgré la diversité de leur peuple, ils entretiennent une forte cohésion. Hospitalité, premier trait donc, auquel renvoie le surnom des lions de la teranga. Alors, au-delà de ça, le Sénégalais est reconnu pour sa hargne, sa détermination, son allure et sa fierté. Quel animal renvoie cette image ? Le lion, évidemment. Vous associez les deux, lion et hospitalité, et vous obtenez donc les lions de la teranga. Ce surnom désigne des Sénégalais aussi féroces face à l'adversaire que bienveillants envers l'étranger. Enfin bienveillants, sauf contre la France en 2002. Mais ça, c'est une autre histoire. Comment ça, je suis traumatisé ? Pas du tout. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu ou gris ou de la couleur que vous voulez, c'est pas l'important. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je traite d'autres surnoms d'équipe nationale. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.